Quels sont les signes d'un traumatisme ? Bonjour, c'est Christine, relaxologue chez Massence Relaxologie à Famec, petite ville de Moselle. Aujourd'hui, je vous demande une attention toute particulière à cet article. Un article qui peut aider. Il n'est pas anodin car il peut vous apporter une aide précieuse à vous ou à des personnes de votre entourage que vous aimez. Je vais donc vous énumérer les signes les plus courants révélateurs de traumatisme. Récent ou lointain, profond ou léger, un traumatisme reste un blocage à régler. Les signes de traumatisme peuvent varier d'une personne à l'autre, mais en voici quelques-uns de courants qui pourraient indiquer que vous ou une personne proche en ayez subi et qu'il vous en reste des traces douloureuses. Sachez que vous pouvez améliorer cet état d'être. J'en parle à la fin de cet article. Voici les signes qui pourraient vous alerter. L'événement traumatisant est revécu à travers des flashbacks, des cauchemars ou des pensées intrusives qui peuvent devenir incontrôlables. Ou alors certaines situations, certains lieux ou certaines personnes qui rappellent l'événement traumatisant sont inconsciemment évitées. Une hyperactivité ou hypervigilance, la personne est constamment sur le qui-vive ou facilement effrayée, comme si elle avait besoin de maintenir un état d'alerte prêt à réagir. Des sentiments d'anxiété, de peur intense ou de panique apparaissent à des moments inopportuns. Des sensations d'horreur et d'impuissance apparaissent, pouvant générer des palpitations cardiaques, un cœur qui bat en tout cas anormalement vite, ou une respiration rapide, des tremblements, des frissons, une transpiration excessive. Il peut y avoir des sentiments de détresse qui se manifestent par de l'anxiété, même de la dépression, ou aussi des changements d'humeur fréquents, une irritabilité, une colère ou des sautes d'humeur. Un isolement social, le retrait des relations et des activités sociales. Des difficultés de concentration, de mémoire ou de prise de décision. Des difficultés sexuelles en absence de désir ou de certaines émotions, ne pas réussir à donner de la tendresse par exemple. Un sentiment de tristesse, de désespoir, de culpabilité ou de honte. Des changements dans les habitudes de sommeil, tels que l'insomnie, les cauchemars, les réveils nocturnes. Et enfin, des symptômes physiques tels que maux de tête, douleurs musculaires, nausées ou fatigue extrême. Un ou plusieurs de ces signes devraient vous alerter, car vous ou une personne de votre entourage souffrez peut-être de troubles de stress post-traumatique. Les solutions pour remédier à ce stress. Rassurez-vous, aujourd'hui, il existe des solutions pour vous aider, car des traitements reconnus peuvent traiter ces troubles. Et ces traitements permettent aux personnes qui en souffrent de récupérer le contrôle sur leur vie et leurs activités de tous les jours. En effet, dans la majorité des cas, les troubles de stress post-traumatique peuvent se traiter avec succès par une psychothérapie ou par des médicaments, mais aussi et heureusement aujourd'hui par d'autres méthodes comme le MDR ou la DTMA, connues pour leur rapidité d'efficacité. Retenez surtout que chacun réagit différemment au traumatisme et que ces signes peuvent varier en intensité et en durée. En effet, une personne peut très bien, pendant des années après un traumatisme, ne pas donner de signes de souffrance. Elle pense s'en sortir très bien, ou alors tout est enfui au plus profond d'elle pour se protéger inconsciemment. Mais par la suite, au bout de quelques mois, voire quelques années, apparaît une dépression que l'on n'expliquera que bien plus tard, après une psychothérapie longue et douloureuse. Ou alors, il y a le cas où certaines personnes peuvent avoir des signes de leur traumatisme immédiatement après.
Elles s'en rendent compte et se font aider pour pouvoir vivre sereinement malgré ce qui leur est arrivé. Comment donc se soigner aujourd'hui concrètement? Si vous pensez que vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez des signes de traumatisme, je vous recommande de consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir le soutien approprié. Il ne faut pas vivre avec de tels blocages. La vie mérite d'être vécue entièrement et le plus sereinement possible. Dans ma pratique de relaxologie, je peux vous aider d'ailleurs efficacement avec la DTMA, désensibilisation des traumatismes par les mouvements alternatifs. C'est une méthode fortement inspirée par l'EMDR. Je vous explique tout en détail sur mon site emmasensrelaxologie.fr. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai chez Emmasens ou en visio pour quelques séances qui peuvent changer votre vie comme vous ne le soupçonnez pas encore. Faites-moi savoir si cet article vous a plu et surtout s'il vous a été utile. Abonnez-vous à ma chaîne pour être averti des articles suivants. À bientôt !